Et on y retourne. Mais où ça, vous me direz? Ben, DMC Pardi. Oui, on va repartir dans Devil May Cry 5, puisque pour cette quatrième session, j'ai comme l'impression que je vais enfin pouvoir jouer avec le vieux. Oui, Dante, vous savez que j'adore Dante. Et donc, bah, ce serait bien qu'il n'y ait pas de fail au démarrage, par exemple. Oula, regardez-moi ça. Et que de surcroît tout se passe bien. Oula, regardez-moi ça. Et qu'en plus je joue comme un dieu. Oula, c'est pas gagné. Et que voilà, qu'on se fasse une bonne partoche sans les problèmes du stream précédent. Je m'en excuse encore, mais pour moi aussi, ce fut rude. Enfin, vous, à l'écran, vous n'avez pas vu grand-chose, hein, parce que ça restait en plein écran, OBS a une bonne stabilité à ce niveau-là. Moi, par contre, je faisais des bascules, c'était juste immonde. Comment ça, c'est encore un stream où je démarre en me plaignant? Vous avez entendu une plainte, où ça? Non mais, tu sors. Toi aussi, tu sors. Et je vais me remettre en plein écran en espérant que ça va tenir. En croisant les fesses, comme on dit. Comment ça ne se croise pas? Bah, ça dépend de la souplesse, hein. Display mode. Ok. Full screen. Vous l'avez? Ah, moi, pas encore. Ah, ça y est. Et maintenant, donc, on croise les fesses pour que ça tienne. Parce que sinon, vous allez m'entendre couarner comme la dernière fois. Et c'est pas super fun. Continuons! Dans la joie et la bonne humeur. En plus, je vous ai monté le son aujourd'hui. Donc, ça devrait être vachement mieux pour vous, puisque vous aviez un petit peu un son de. On appelle ça le son de chiottes. Le son de cuvette de chiottes, pour être plus précis. C'est-à-dire, c'est quand vous avez cet écho propre à la faïence. Bon, après, ce que vous en faites, c'est ça vous regarde, mais voilà. Vous essayerez ce soir. Le plus dur, c'est de se retenir de rigoler à chaque fois. Mais j'y arrive bien. Vous n'avez pas le retour caméra. Il y a une bonne raison à ça. Voilà où nous nous étions quittés. You could have at least knocked, Morrison. Yeah, I could have. I got some good news and some bad news. Pick your poison. Which you want to hear first? Just speak. Bad news it is. Lady Patty's feathers are all ruffled. See, she wants to invite you to her birthday party. But your phone is disconnected. You're a smart one, Morrison. You notice the electric and water out too? I expected nothing less. So what's the good news? Oh, I got a gig. Cash up front. Cash up front. This I like. The water needs turning on and those toilets need flushing. Water, gas, and power. Coming out of your cut. You're a real agency now. Devil may cry. Dante! Dante! Do you have any idea how many times I've tried to call? Like a zillion! Oh my god, tonight's my birthday party! Yeah, I'm turning 18! Not a little kid! Okay, Morrison, I'll take you up on that gig. But only if you can get me out of that hellish birthday party. Consider your RSVP declined. Meet your new client. Listen, I'm gonna find Lady and Trish. Bring him in on this. What? Come on! You don't think I can handle this gig on my own? It's a big job. Big job, Dante. You're gonna need the help. So, what's your name? I have no name. I am but 2 days old. Just kidding. You can call me V. Okay, V.
Why don't you tell me everything about this job? A powerful demon is about to resurrect, and we need your help, Dante. Now that's a familiar tune. Do you have any idea how many times I've heard that exact same line? This is special. Special? Okay. So what's so special about this one? This demon is your reason. Your reason for fighting. This demon got a name? Eh oui, ça tease, hein. Bon, moi j'ai lu un Y déjà, et je sais qu'il y a deux lettres après. Bah oui, parce que si vous avez suivi Devil May Cry depuis le début, et un petit peu l'histoire tordue qui part dans tous les sens, qui fait n'importe quoi, mais bon, faut bien un scénario, vous savez que Dante est le fils de Sparte, de Sparta, et Sparta, c'est... Faites le premier, vous saurez. Customisons, je vais enfin pouvoir jouer avec Dante, mais si ça c'est pas du bonheur, je sais pas quoi dire d'autre. Depuis le temps que je le réclamais, ils m'auront bien fait attendre ces enfoirés. Alors, il y a tout à déverrouiller chez Pépé. Aïe. Non, c'est pas Dante, c'est avec l'autre zouave encore que je suis. Oh, purée de bordel de... Non, Alors, j'ai pas trop envie de le suréquiper, lui, parce que... Moins je joue avec, mieux je me porterai. Alors pour rappel, sa particularité, c'est de refuser les combats au corps à corps. Et donc de... Il va me coûter des ronds en plus. Non, je ne t'équipe pas, quoi. Tu m'énerves. Ta canne, non, on s'en fout. Non, ton piaf, il est quand même bien pratique. Et donc du coup ça fait très bizarre parce qu'on joue avec un perso qu'on garde à distance des compas, mais je l'ai dit la dernière fois, on remplace ses bras par l'aigle et la panthère, et ça fout les coups à distance. Au début ça fait très très bizarre, mais l'idée est vraiment rigolote. Ça a l'air de faire mal, ça. Allez, je suis de bonne humeur. Et puis la panthère, tant pis pour elle. Il y a plus de sous pour elle. 520 balles, là, pff, c'est foutu. Assez de palabres. Si on allait voir... Comment dirais-je? Ça, c'est astucieux, ça. What the hell? Shoot. Did you find it? Well, I don't know what I found, but I think I saw some demons dancing. Well... Then I guess we keep going. The Devil Sword Sparta is nearby. It's coming from the Clyphod's route. Oui, toi aussi, tu écoutes de la musique triste et tu ne manges pas beaucoup. On t'a reconnu. Tu avais un groupe avant. On va pas rentrer dans ces débats, je vais me faire beaucoup beaucoup d'ennemis, ça va être triste. Alors comment ça marche déjà? Vas-y. Rise. Et oui, je suis obligé d'être là pour les achever, c'est vraiment cool. Et apparemment, c'est pas difficile de faire monter le rang de ce perso parce que la musique est à fond. Je disais, c'est pas difficile de faire monter le rang de ce perso.
Il suffit d'enchaîner les coups avec les bestioles, et puis d'être juste à côté pour les achever le plus vite possible, et là ça vous booste le rank apparemment d'une force, mais assez incroyable. Je ne dis pas de bêtises, pas que... Swish. Non, je voulais pas faire ça, je voulais faire... ça. Tu vois ? Oui, j'aime me battre contre les plantes. Regardez-moi cette belle arène. Le comité d'accueil. Pour savoir si j'ai mon ticket pour venir à cette super méga partie. Et le moyen de transport du coin. Pas discret, mais très efficace. Salut gros. Viens moi toutou, viens voir papa. Oh, on va faire des toutous, on va faire des câlins. Oh oui, des mottes. Allez, une petite carioca, c'est parti. Alors, faut que je garde quand même l'autre. Hein, je garde un œil dessus parce que je sens que à la moindre occasion, il y a moyen que. C'est vraiment le bordel. Attends. Allez, c'est Michi. Allez, vas-y. Yaha! Je plains la femme de ménage, vraiment. Je suis désolé. Respect à toutes les femmes de ménage du monde qui font ce métier ingrat, qui sont rarement félicitées et qui pourtant, sans lesquelles une frange importante de la population ne pourrait pas exister, quoi. Noyée sous la poussière, qu'elle n'est pas capable de nettoyer elle-même. C'est fou. Oui, toujours un petit peu de médisance dans le DPG, c'est important. Après, tout de suite, c'est un sac de cul, ça. Oh, des copains, ça tombe bien. Eh, regardez, les copains. Oh, super. On va rigoler. Regardez. Ouais, je suis du mauvais côté, les gars. Je suis du mauvais côté. Sur mon métier. Quoi, métier? Bah, vous savez très bien, mais... À moi, à la passe. Je suis démarqué. Hop. Et voilà. Beaucoup de cinéma. Alors, je vais là-haut, c'est, faut que je me fasse le cul-de-sac pour récupérer un max de bonus. Apparemment, c'est pas un... On ne clignote pas innocemment comme ça. Il y a un truc. Vous êtes bien d'accord avec moi? On n'a fait pas un vieux briscard. Je veux ce truc! Ah, oh, il y a une super gemme planquée là-bas. Mais je ne sais pas. Je suis un petit enfant. Rise. Here, throne. At your pleasure. Bon, venez les animaux. On va les pleurer ailleurs. Je devais aller par là-bas. Oui, alors il y a un nom que je n'ai pas encore cité pour les vieux. Et qui parlera uniquement à eux. Vu que je suis avec des animaux, ça vous fait pas penser à un héros? Oui, forcément. À part que c'était lui qui se transformait, quoi. Génial. Je sais pas trop le succès qu'a eu cette série. Moi, perso, ça m'a laissé totalement indifférent. Surtout que la structure avait l'air très... très souvent...
Bah oui, il faut pas bouger avec les vieux quand même, faut y penser à ça. Ils sont plus aussi souples, des fois ils ont la même des roues. Ah, la panthère qui est en panne. Parce que je le vaux bien. Alors où on va? On peut aller là-bas peut-être. On va savoir. Peut-être un truc planqué. Little Canayux. Les Animox. Oboulox. La panthère. Fait le boulot. Slice him. Gentil le chacha. Alors, oh des amis, regardez ça. Ah, on va pas se fatiguer. Que la distance soit. Oh, pardon, Osmani, ça arrive. Alors, ce qui est rigolo avec ce perso, c'est qu'apparemment c'est un des persos, je pense, les plus puissants hein, quand on sait s'en servir. Parce qu'il va pas au contact, du coup, c'est pas très compliqué d'éviter justement les combats et de regarder à distance les bestioles se défouler. Ceci dit, je pense que les programmeurs ont pas vu le coup et que forcément, il doit y avoir des arènes, des endroits où on fait moins le malin puisque c'est étroit et on va se retrouver emmerdé. Je suis gothique, j'aime pas les tombes. C'est un paradoxe, hein. C'est joué. Alors, qu'est-ce qu'on a en magasin? Ce côté-ci ou ce côté? Pas bien ce côté. Hein. On va se le garder pour le dessert. Yipikai. Bah oui, Yipikai. En fait, c'est d'où je viens, non? Parce que je suis assez doué dans le domaine. Non, ça va. J'ai pas trop fait de bêtises aujourd'hui. Ah, mais c'était où t'es... La méga gemme dorée t'es coincé là-bas, et puis voilà, je suis... Non, rien à y faire. Il y avait une autre façon de faire, mais je ne la connais pas, je ne l'ai pas trouvée. Tant pis pour moi. Ça biche, les gars? Allez, on y va. Et là-bas, ça se passe. Bien sûr. Ah,
fait que je me fasse le summoner un peu. Bref donc. La shark. It's your turn. Go. I'm the kid. Rien à faire. Die. Oui, je n'aime pas trop qu'on résiste. Mais bon. C'est pas pareil. Bon, je pense que je vais avoir un joli comité d'accueil par là. Et on a de la place pour bouger, ça va. Donc tout va bien. Se passer. I'd be lying if I said I wasn't. But the past is better place for me. Yowza. At your pleasure. Même pas loin du Stalich, les amis. Hein. Oui, je me plains maintenant quand je suis pas en rang S, je boude. J'ai l'impression d'être un vieux casu qui a des rhumatismes ça, et qui fait du cyclisme. Ça. Coucou. C'est Jean-Edouard. Oui, bonjour. Je viens pour renouveler le bail du château.
C'était à vendre tout ça, à céder. Alors moi j'ouvrirais bien une petite auberge quoi. Tu veux pas que je regarde au-dessus? C'est qu'il y a un truc chelou. Oui mais toujours c'est... J'aime bien chercher les petites bêtes dans les jeux. Allez on y go. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est? Aïe. Mais tu arrêtes. Alors c'est pas God of War, y a pas de bonus planqué des masses dans les trucs les cassés, hein, étrangement. Des fois que... Oui, je suis toujours curieux, moi. Ah, bah, la curiosité, ça paye, hein. Ah, dommage que je manipule mal. Bon, tant pis pour moi. Je vais pas vous faire glander 107 ans. De toute façon, j'aurai l'occasion de revenir sur ce titre, je pense. Vu que c'est toujours un plaisir en rejouabilité. Les Devil May Cry à rejouer, c'est toujours un gros bonheur. Parce que du coup, on connaît le déroulé de l'histoire, mais les tatanes ont la bonne idée de se renouveler. D'ailleurs, je sais même plus dans quel mode j'ai démarré le jeu, ça doit être en normal. Le toutou. Right. Où qu'il est le plus bas. Ce petit jouet. Non, c'était pour rire. Oui, le vent dans les cheveux. Ce moment de calme. Totalement approprié. Après une bataille bien bordélique, comme on les aime. We had the Devil Sword Sparta. Nero might just be able to defeat him.
Alors, j'ai vraiment tracé dans le jeu quand même comme un cochon, parce que j'ai pas trouvé des masses de passages secrets. Hey, nous ne reverrons pas cette action ralentie, hélas. Même pas de brocado, rien. Je suis déception, quoi. Ça se pète pas, ça? Grumble, tout ça pour ça. Still works. I need you.
At your pleasure. Good dog. Oui, parfois je vise mal, ça arrive. Mais tout de suite, appelons le camion de ravitaillement. There's no such thing as too prepared. Alors, ça fera quoi ça? Oula, oui, mais ça coûte très très cher. Je n'avais pas ça. Oh, c'est méchant. Mais je l'ai déjà ce coup, que diable! Alors c'est vrai que j'ai pas upgradé mon golem, et ça serait bien qu'il soit un petit peu énervé. Il y aurait moyen de rigoler. Et pour moi, il reste. Ouf. Ça me fait quand même bien, oui, ça, mais je l'ai déjà. J'ai plus de sous, j'ai plus d'argent, va falloir que j'aille faire la manche. Voilà ce que c'est de bosser pour David McRae. Tu n'as plus assez de thunes pour apprendre de nouveaux coups. Non, bon, on va prendre ça. Hein. Et on y retourne. Hi-ha. Ah, il est comme la joie. J'ai oublié de regarder la touche. Je suis désolé. Ok. Et vous noterez que malgré ma joie et mon enthousiasme, je n'ai toujours pas joué avec Dante, bordel de schnitzel. Non, je vais aller là-bas. Juste pour faire... comment dirais-je? Juste pour ennuyer. Ok, donc je peux faire du sort. C'est chouette. No doubt about it. Je vais juste poser un truc. Hop, et voilà. Comme ils ont l'air joueurs. Whoa, this is some kind of ritual shindig, isn't it? You guys got the dance fever for Sparta, don't you? Whoa, easy on the dance floor there, partner. I'll be taking... Alors ça doit être traître le petit bras qui dépasse dessus quand il vous attrape. You know your endless worshipping isn't making the Sparta any happier. Apparemment, ça a l'air bien costaud, hein.
Here, throw it. At your pleasure. At your pleasure. Pinned to the wall. Bon pour le teinturier avec ses âneries. Seems this sword is still too strong for me. So close, though, so close. You got a lot of heart, kid, you really do, but you're a bit of a sissy in the strength department. Oh, hey, no offense, you know. That kid Nero, he has the strength. It speaks. Dante's presence. How does one friggin' guy have so much luck, huh? No. Get a grip on yourself now, come on! If only you could defeat Urizen. If only... No. V? No. If only you never existed. Then I... Ce cliffhanger de sa mère. Qu'est-ce qu'on fait les amis? On arrête?
Vous savez très bien que j'arrive jamais à m'arrêter avec ce jeu. On a déjà fait 45 minutes quasiment là. Non, on n'arrête pas. Allez, go. Alors oui, c'est très dur d'avoir un avis objectif sur ce Devil May Cry 5. Parce que moi, je suis fan de la licence. J'ai trouvé ça dès le début hallucinant. Et les deux premiers m'ont vraiment éclaté. Troisième aussi. Et après, j'ai un peu... j'ai une vie. Et ouais, je vous raconte après. You need to hide, Dante. No matter what happens, you mustn't leave. I need to find Virgil. I promise I'll be back. I know this is hard. You must listen to me. Be a big boy. A man, huh? If I don't return, you must run. By yourself, alone. You must change your name. Forget your past and start a new life. As someone else. A new beginning. Virgil! Where are you, Virgil? Et donc, avant que la mère à Dante meure, quand il était jeune, et ben, je vous disais que oui, les premiers étaient vraiment extraordinaires, parce que ça a quand même apporté un gameplay qui est génial. C'est du défouloir pur et dur. Et du coup, c'est accessible, c'est plaisant pour tout le monde, du moment qu'on a compris qu'il faut vraiment aller à la tata. Faut pas trop esquiver, c'est pour ça que c'est bizarre de jouer avec eux. I thought it might be the only way to wake you. What day is it? The 15th of June. A month? No wonder I'm so stiff. Right, Sunshine. Now put a fire under it. We gotta get going because that annoying pimple Nero is making a beeline for Urizen, and if he gets there, he's gonna fall off! Hey, this is my gig. Leave Nero out of this. If you could defeat Urizen, then I never would have dreamed of using that child. But Urizen is much stronger than we ever could have imagined. Alors Dante, il a un point commun avec Lara Croft. Lara Croft, au fil des épisodes, il y a ces protubérances mammaires qui n'ont cessé d'amplifier. Et j'ai l'impression que Dante, depuis le troisième, il rajeunit. Je sais pas ce qui se passe. Oh, it stinks in here. Enfin des filles, c'est pas trop tôt. It smells like hot garbage. This is far worse than I thought. There's no crime in turning tail, V. These things might be a little too much for you. You're right. I'll leave the rest to you. What? Whoa, my V. All the way down here and turn into jail, really? Huh? One must always have an insurance policy. Who was that guy? Can't believe he just ran. No one special. Come on. Let's go clean up this garbage. First come, first serve on the targets, Ra. Music to my ears. Hurry up, Dante! Guess I get to see it with my own eyes. If it really is you. Yes! Enfin! Donc on va pas s'arrêter. Ebony and Ivory sont juste là pour pulvériser tous les ennemis. La 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 na 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 boucherie. Non, j'en ai pas eu besoin jusque là. On va attendre qu'il y ait vraiment un besoin quelque part, quoi. Alors, pour qu'on me demande d'acheter ça, c'est qu'il y en a peut-être besoin, je sais pas. Mais j'en ai en stock, donc je m'en fous que ça. Bah oui, moi je voulais les skills, banane. Et mes gâchettes ne marchent pas pour les skills et je l'ai dans le DMC, quoi. Enfin casé, bon escient.
Eh ben, on aura attendu longtemps. Non, ne m'apprends pas l'éclipse de Dante, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Non, 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 non. Je vais enfin avoir mes coups. Enfin, peut-être. S'il faut pas les déverrouiller. S'ils sont déjà inclus. D'origine. S'il faut pas acheter un DLC. Bon, c'est peut-être pas très malin d'amener des mômes à la colonie de vacances. Okidoki. Je suis qui? Je suis qui? Ok, à gauche je change le flingue. À droite je change la lame. Ça va super bien se passer. Et d'une manière plutôt violente, je pense. Ouh putain que je suis remonté. Allez, papé, cours. Bah si, tu es, il est plus tout jeune, Dorothée, quoi. Ah ouais, j'ai pas encore les coups qu'il faut. Non, 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 dans l'autre sens. La musique a l'air bien, poussez-moi. On y va. Yeehaw ! Ah, je peux pas les attraper. Qui qu'on veut ? Oh que je suis joie. Lisez cette joie sur ce visage, regardez. Qu'est-ce que c'était là où il s'est baladé? Il y a des trucs qui bougent des fois dans le décor, c'est génial. J'insiste moi des fois. Non. Oui oui, moi les épées c'est fait pour, j'aime. Ah!
On va y aller doucement, mais on va y aller sûrement. Toujours pas de retour caméra, mais le petit sourire derrière, vous devez l'entendre croustiller dans le micro. Parce que oui, je suis content ou pas. Je le dis pas dans tous les streams, donc faut en profiter, bordel. C'est un rasoir. Toi, tu vas pas m'amuser, je sens de l'amour. Oui, j'étais un petit peu de colère. Ça arrive des fois. C'est dommage que tout ne se splotche pas dans le décor. Quoi, je viens de râler ? Non, pas du tout. C'est une remarque. Non, tu ne le rappelles. Oh purée, les voilà. Qu'est-ce que ça fait du bien, bordel de bordel de bordel de bordel. Donne-moi ça, toi. Ouais.
je laisse traîner par terre parce que c'est gênant. Vous avez vu ce silence religieux? Oui. Ah bah c'est ça les gens quand ils sont contents qu'ils aiment leur jeu. On les entend plus, ils font plus chier personne. Oh man, they're already here. These ladies work fast. Une heure de stream par contre, on va essayer de pas aller trop loin, hein, histoire de se regarder un petit morceau. Alors j'espère que je vais pas tomber sur un boss direct. J'aimerais bien couper avant. C'est méchant, c'est cruel. Et une heure que vous regardez ce stream, j'ai pas beaucoup d'argent, moi, des fois. Oh!
Si on voulait échapper à un boss, je sens que c'est mal barré. T'as vu, nous? Dur s'arrêter, on va y arriver. Je m'arrêterai un jour, peut-être, sans doute. Sous réserve 2. Something here. Call it Hunter's intuition. Alors, j'ai trouvé quelque chose, mais je me rappelle plus comment on l'active, qu'est-ce qui se passe, quoi, quand. J'ai peut-être pris un raccourci que j'aurais pas dû prendre. Peut-être trouver un tableau spécial hein, si je m'applique. Je vais pas m'engager, mais il y a des chances que je me prenne une dérouillée. La première, enfin. Celle que j'aime. What? Ah oui, j'avais pas lu le résumé, effectivement. On va se la tenter, puis on n'insistera pas si je sais pas, c'est pas grave. Je veux trouver quand même ce point sensible, ça c'est une bonne chose de comprendre quand même. Mourir est moins bête, tout ça. Voilà, point sensible, faut juste que j'attende qu'elle me le montre. Montre-moi ton petit point sensible. On va laisser tomber parce que je suis pas doué pour ça. Oui, bah. Faute avouée, à moitié pardonnée, etc. Et on va retourner à l'aventure. À moins que j'arrête ce stream. On va arrêter ce stream-là. Faudrait que j'arrive sur une sauvegarde, en fait.
Ce serait vachement plus pratique. Avec le steam kung fu, je suis pas très habitué. Alors, c'était bien, on est passé là. Est-ce qu'on a raté un truc? Non, rien. Tant mieux, continuons, partons. D'où je viens, je ne sais plus. J'y retourne? Peut-être. Suis-je doué pour les... Non. Man, je suis pas comme ça. Back here again. Shit, this place is confusing. Ah, il n'y a pas que moi qui m'y perds, c'est ça qui est bien. Donc là, c'est closed. Maintenant, il va y avoir plus qu'un chemin pour partir. Quel blagueur en plus. Tiens, pour la peine. Non, tombe pas. Ne me fais pas ça, non, là. Bah oui, faut pas. Tu ne peux aller, pauvre fou. Alors du coup, je vais où maintenant? Je vais commencer à me défouler sur le décor, je pense. Alors, l'architecte qui a fait ce HLM, je sais pas ce qu'il avait pris, mais pas super. En plus, il n'y a pas de toiture, on fait comment quand il pleut? Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Ok. J'en viendrai pas là des fois. Je demande. Bon, ça c'est... Ok. Les aminches, la fin du stream est proche. La fin du stream arrive. Que je ne pourrais pas remonter ici, je suis Q1C. Et en général, quand on est Q1C, soit on donne la solution, soit on abdique. Et je crois que je vais abdiquer. Parce que je suis pas du genre à insister. Et je regarde le chrono, ça fait 1h15 qu'on stream, les aminches. Je vais abdiquer. Si le chemin ne se montre pas clairement devant moi, telle la voie de la libération. Je vais lâcher le pad, je vais lâcher le PC, je vais lâcher Dante, je vais lâcher tout le monde, quoi. Et ce sera triste. Les enfants vont se mettre à pleurer, je pense, mais il faut préserver un peu de suspense. Alors, qu'est-ce que j'aurais raté par ici? Rien, j'ai absolument rien raté. Peut-être que, oui, j'ai oublié de monter en face comme il faut, et ça passait pas avec moi. Ça avait pas super envie. Oh la saloperie. C'était petit trajet bonus pour rien. Pour énerver. Va-t-il arriver à s'arrêter un jour peut-être? Non, jamais. Je voudrais bien une sauvegarde, les amis. Ça va être rigolo. Oui, vous connaissez ma joie pour les platformers et toutes ces conneries que je déteste profondément. Tant pis pour les boules rouges qui restent. Je ne veux pas en entendre parler, vous n'avez rien vu. Slouch. Sinon, vous finirez comme ces pauvres slouch. Qui se font sloucher. C'est bien grand par ici, c'est bien vite, qu'est-ce qui se passe? Qui veut jouer avec moi? Qui? Des candidats. Ah, attention.
qu'il en avait une grosse pelle à faire. Oh oui, 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 oui. Il était pas content. Ah, juste au moment de changer. Un des idiots. Ah, mon esquive, elle est pas partie quand il fallait. Non, 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 tout en haut. Là, il a dû sauter. Il va falloir appeler le SAMU qu'on enlève ce jeu. J'arrive pas à arrêter. Les amis, enlevez-le-moi. Enlevez-le-moi. Il vient droit sur moi. Et je vais réguler son espèce, quoi. Allez, on va sauvegarder là et ce sera parfait. Hop, 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 hop. Bon, eh bien, mes amis, je crois bien, il me semble, qu'on va encore avoir quelques épisodes de Devil May Cry 5. Et vous entendez ces craquements? Oui, c'est mon sourire. C'est la peau de vieux, ça fait ce bruit là, c'est normal. Donc, je vous donne rendez-vous, je ne sais pas quand, mais pour un nouvel épisode que j'essaierai de faire moins long, parce que là je suis désolé, oui, 1h20 quasiment, c'est vraiment énorme. Comme Devil May Cry. Oui. Abonnez-vous à la chaîne, je vous laisse les streams habituels, la playlist généraliste et celle des shmups. A bientôt, ciao.